اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse sa grâce et sa miséricorde. Il nous permet d'être ici ce matin. Combien de personnes ont eu le projet, mais malheureusement n'ont pas pu réaliser ce projet, soit empêché physiquement, ou même l'espérance de vie a pris fin avant le délai du projet. Donc si nous nous retrouvons ici ce matin, on doit pouvoir dire Alhamdulillah. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, je vois un Fofana qui revendique ce qui pourrait appeler droit. Bon, on va prendre ça comme ça, parce qu'ils sont beaucoup ici. Il y a les Fofana, il y a les Bakayoko, il y a les Yo. Bon, tu sais, c'est compliqué. Seulement, c'est que moi, je sais, j'ai ma maman ici, je ne sais pas si elle est dedans. Et j'ai mon oncle qui est reçu, qui est là, même s'il est en communication, ça veut dire que je suis en sécurité. J'ai ma maman, j'ai mon oncle. Et par la grâce de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais de façon traditionnelle, je demande la permission, après bien sûr ma maman et, comment dirais-je, mon oncle, je demande la permission aux autres, ça veut dire les Fofana et les Bakayoko. Qu'elle nous aide beaucoup. Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je remercie le bureau qui a quand même fait l'effort de respecter l'un de mes principes. Quand c'est pas respecté, je critique. Et quand c'est respecté, je dois aussi le signaler. Voilà, ça fait partie de l'équité en Islam. Donc, on a pu quand même respecter le temps du début de la cérémonie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans cette cérémonie et nous facilite l'inscription que nous allons avoir. Et surtout ce qu'il a dit, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Vous savez, comme Fofana l'a dit, c'est un thème d'actualité. C'est un thème très sensible. Mais pour se libérer, il faut savoir que c'est un thème de divergence entre les savants. Ça, c'est la première chose que je puisse vous dire. Ce que je vais dire, vous allez trouver que les savants approuvent ceci et les savants sont contre. Voilà, comme vous connaissez les principes, moi j'ai toujours donné les différents avis. Maintenant, si j'ai une préférence, à la fin, je peux donner des orientations sur cette préférence. Donc, d'entrée, en jeu, nous devons comprendre que c'est un sujet de divergence entre les oulamas, entre les savants. La raison est simple. Vous savez que il y a certaines choses en Islam qui existaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et même des choses qui existaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam, vous allez vous rendre compte que il y a souvent des divergences même entre les disciples du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, aujourd'hui, les gens pensent que si moi je dis quelque chose, mon oncle dit une autre chose, soit on va se dire que c'est mon oncle qui est dans le faux, ou bien c'est moi je suis dans le faux. Si nous avons tous des adeptes, moi mes adeptes vont commencer lui à le diaboliser, à faire de lui quelqu'un de l'enfer, également vice versa.
Non, l'islam n'a pas été prêché comme ça au temps du professeur Lassalle. Il y a beaucoup de sujets, au temps du professeur Lassalle, il y a eu des divergences. Et quand on vient voir le prophète parler sur la Lassalle, il dit, tu as raison, tu as raison. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le point de vue, ça veut dire différents points de vue, mais on a tous raison, parce qu'on regarde dans des angles différents et on a des intérêts peut-être différents et souvent même, selon nos réalités, la même chose change. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la jurisprudence islamique, elle est flexible. Contrairement à ce qu'on attribue à l'islam, on dit que l'islam est une religion caduque, l'islam est une religion qui ne va pas en congruence avec l'évolution du temps. Non, l'islam est une religion qui est même en avant. Donc, le musulman ne doit pas se gêner lorsqu'il y a des divergences. Au contraire, le musulman doit essayer de voir de cette divergence-là, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que selon la localité, la jurisprudence change. Voilà pourquoi dans l'histoire, j'ai dit tout ça pour vous préparer. Le temps n'est pas long, en fait. On pense que c'est long. J'ai vu une inquiétude du frère Foufana qui me posait des tonnes de questions. Il dit, c'est un frère Foufana, pardon. Comme hier, je ne me sentais pas trop bien, je n'ai pas trop réagi. Le thème n'est pas long, il est très cool. Je vous dis simplement toutes ces choses-là pour qu'on puisse comprendre que la divergence en islam n'est pas une mauvaise chose. Mais ça dépend de ce que je regarde, dans quel cadre moi je me trouve. Parce que l'islam est une religion universelle. Celui qui vit en Côte d'Ivoire doit pouvoir vivre conformément à l'islam. Celui qui vit en Arabie Saoudite, celui qui vit en Égypte, celui qui vit en Chine, celui qui vit aux États-Unis, tous doivent pouvoir mener une vie compatible à l'islam. Donc si c'est caduque, vous voyez que les réalités de la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément les réalités de l'Égypte, ne sont pas forcément les réalités de l'Arabie Saoudite. Donc il faut comprendre que si la jurisprudence islamique était caduque, ça serait très compliqué. Peut-être tous les musulmans allaient souhaiter peut-être aller se retrouver en Arabie Saoudite, ou bien en Égypte, ou bien au Moyen-Orient pour pouvoir pratiquer l'islam parce qu'on allait se retrouver dans les zones où l'islam n'était pas pratiquant. Pourtant, c'est pas ce qui est la réalité. Voilà pourquoi vous allez voir que Imam Shafir, lorsqu'il était en Irak et qu'après il est venu en Égypte, sa jurisprudence a changé. Les gens lui ont demandé mais pourquoi. Il dit parce que tout simplement j'ai changé de milieu de vie. L'Irak n'a pas les mêmes réalités que l'Égypte. Comment pourriez-vous me demander d'avoir les mêmes réponses à des milieux qui sont opposés pratiquement? Donc si c'était comme ça, on allait demander aux Égyptiens d'aller vivre en Irak parce que ça c'était une meilleure réalité. Donc bref, pour vous dire ces choses, pour vous dire que l'islam a toujours été comme ça, et voilà pourquoi j'ai besoin toujours de vos bénédictions et de vos soutiens. Là, je le dis de façon sincère parce que j'ai fini d'écrire un document qui s'intitule Introduction au droit islamique, qui nous permettra de comprendre le fonctionnement de la jurisprudence islamique et les sources même de la divergence entre les écoles juridiques, etc., etc. Mais comme on le sait, quand les moyens ne sont pas réunis, on peut avoir de belles idées. Voilà pourquoi on demande toujours que Dieu nous donne les Khadija, Dieu nous donne les Abou Bakr, Dieu nous donne les Omar. Parce que quand on n'a pas cet encadrement, tout ce qu'on a, même quand c'est bon, ça va rester dans l'anonymat. Voilà. Pour que l'islam puisse sortir, il a fallu un pouvoir militaire
qui a sécurisé le prince sur la scène. Donc on a besoin de la sécurité, on a besoin aussi de la science et on a besoin aussi des moyens financiers. Voilà. Même quand tu as la science, si les moyens financiers ne sont pas, ça ne peut pas aboutir. Quand les deux sont là, quand la sécurité n'est pas, ça ne peut pas aboutir. Quand on donne la main. On dit l'islam est le vrai bancaire. D'abord, nous allons voir, quand tu fais un peu de recherche, on te dit les banques ont commencé à exister à quel moment, je crois, c'est dans le 12e siècle. Nous savons, historiquement, l'islam a existé dans le 6e, 7e siècle. Hein? Selon les documents que vous lisez, on est entre le 5e et le 6e siècle, c'est là que l'islam a commencé à exister. Donc, vous voyez un peu le cas. On va sur la base du 6e siècle, on se retrouve au 12e siècle, ça fait pratiquement 6 siècles. Okay. Là, on est très loin. On est dans un nouveau système. Pourtant, le prophète alayhi salatu wa salam, les échanges et tout ce qui se faisait entre les gens se faisait à partir de l'or et de l'argent métal. Donc vous allez voir, généralement, dans la jurisprudence islamique, même pour donner la zakat, la référence, c'est toujours ces deux métaux. Vous n'avez pas d'autres références, parce que c'est ce qui existait. Et c'est par rapport à ça que la valeur a été donnée. Donc si vous voulez avoir la vraie valeur, il faut d'abord faire une référence en soi, l'or ou l'argent métal, pour pouvoir trouver la valeur que tu as et essayer de voir ce que tu peux estimer donner. Donc, c'est une autre réalité. Et au 12e siècle, avant même ça, on trouve que les méthodes ont commencé à changer. Au lieu de travailler avec des métaux, comme je viens de vous dire, l'argent et choses et l'or, on va se retrouver avec des billets, mais avant les billets, il y a eu bien d'autres choses, mais je vais très vite. On va se retrouver maintenant avec des billets de banque. On va mettre un système en place. Et ce système-là travaille. Ce n'est pas un système de charité ni de social. Ce sont des systèmes qui travaillent pour pouvoir aussi vivre. Ce sont les institutions bancaires qui ont les charges, etc., etc. Mais avant d'arriver à cela, on va se poser la question, en islam, quels sont les différents types de prêts? Quand moi je viens du Sud, je viens voir Fufana, je dis, il faut me faire un prêt. L'islam dit, quand je viens voir quelqu'un pour qu'il me fasse un prêt, il peut avoir trois formes. La première forme, il me fait le prêt pour que je puisse lui rembourser le capital qu'il m'a donné. Comme dans ce cas, c'est le contrat qui est entre nous. Si j'ai pris 1 million, le jour où je viens, je vais lui restituer ces 1 million. Et tous les savants sont unanimes que ce genre de prêt-là, il ne doit pas avoir une augmentation. Complément. Deuxième forme de prêt, je peux venir voir mon oncle. Il dit, ah, Fousseni, actuellement, j'ai fini de écrire mon livre. Je veux faire la publication de mon document. Je lui montre le projet détaillé, tout. Ce qui voulait dire quoi? Je prends son capital pour travailler avec. Pour me faire des intérêts. Les savants disent que pour cette forme de prêt, il est possible qu'il me demande un pourcentage sur les bénéfices que je vais avoir. Vous comprenez?
L'autre cas, il n'y a pas de bénéfice. Je prends, je suis en difficulté, je veux manger, l'enfant, je veux le scolariser peut-être, etc. Pour ce genre de prêt, il n'y a aucun problème. Je ne dois pas avoir un plus là-dessus le jour où je dois rembourser. Troisième forme, je peux voir Fofana. Ah, Fofana, vraiment comme toi, tu as des véhicules, ou bien tu as des magasins, ou bien tu es dans les affaires. Vraiment, je voulais travailler dans ton capital. C'est toi qui as l'argent. Je vais travailler dans ton capital. Et ici, il n'y a pas le fait de lui rembourser son capital. Je travaille dans son capital. Donc il n'y a pas un système de remboursement de son capital. Ni un système de partager comment dirais-je, les bénéfices. Je travaille seulement pour lui. Les savants disent que si je travaille pour lui avec ces conditions, on pourrait me fixer un salaire, une rémunération. Donc ici, son capital, c'est pas mon problème. Je ne rembourse pas, même s'il a mis 100 millions à ma disposition, je ne lui rembourse pas les 100 millions. Même si ça a pu donner peut-être 25 millions de bénéfices sur une période bien déterminée, ces 25 millions-là, moi je m'en fous, on ne partage pas. Seulement, ce qui s'est engagé à me donner, c'est ça qu'il va me rembourser, c'est ce qu'il va me donner. Pourtant, c'est lui qui m'a donné le capital. Il m'a donné peut-être 100 millions, il dit, il faut aller faire ces affaires-là pour moi. Les savants disent que le troisième cas, là, on ne parle même pas d'augmentation ni de diminuer, parce que je travaille pour lui. Mais je travaille dans le capital de qui? De Fofana. Donc c'est comme si j'ai prêté le capital de Fofana, mais je travaille pour lui dans son capital. Les savants disent que ça, on est ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas. C'est un cas spécial. Et tout simplement, tout ce que Fofana a comme engagement vis-à-vis de moi, c'est de me donner une rémunération. Les savants disent que même s'il arrivait que, au départ, on n'a pas parlé de ça. Parce que c'est la famille. Les savants disent que, arrivé à un certain moment, soit moi qui travaille, je décide pour dire que moi j'ai travaillé pour lui de façon simple, parce que j'ai vu que c'est un frère, il était souvent en difficulté, bien vrai qu'il avait les moyens, c'était pour l'aider. Mais si je réclame quelque chose après, on va me donner adjoumifli. Ça veut dire quoi? Ceux qui exercent ce genre de fonction dans cette localité et avec ces conditions X, qu'est-ce qu'on leur donne de façon générale? On va y trouver le juste milieu et on va calculer sa rémunération. Donc voilà le décompte comptable. Si nous avons ces trois, je ne vais pas trop nous embrouiller parce que je le disais hier, c'est un thème qui est souvent grand. À chaque niveau, il faut traiter le thème pour que ça soit accessible. Voilà, si on était seulement au niveau universitaire ou quelque chose, on pouvait remonter. Mais je pense qu'avec ça, les gens, on peut se comprendre. On va se poser maintenant la question. Quand je vais voir une banque, sur lequel des cas je me retrouve? Est-ce le premier cas? Est-ce le deuxième cas? Est-ce le troisième cas? Est-ce que quand je vais voir la banque,
parce que je n'ai pas mon sac de riz. Je vais le voir pour qu'il puisse me donner. Pour que juste je ne pas payer le riz pour manger. Si c'est le cas, si la banque m'exige des pourcentages, ça râle. Comprenez? Si on va, la source est déjà là. Donc, vu cette situation, il y a une divergence entre ça. Il y a des savants qui disent que, de toute façon, toute fois qu'il y a quelque chose où on demande, puisqu'il y a la personne qui dit, il est tout prêt qui engendre des intérêts, est considéré comme riba. Donc il y a des savants qui ont pris cet hadith-là sans exception. Il y a des savants qui disent que non, si nous prenons cet hadith-là sans exception, à la base, nous avons deux formes de riba. Riba fadl et riba nasir. On a deux formes de riba. Riba qui est relatif à l'augmentation dès le départ. Je viens voir mon oncle, je dis j'ai besoin de temps, il me dit bon d'accord, moi je te donne 100 millions, tu me rembourses avec un pourcentage de 10%, donc tu me rembourses avec 110 millions. Ça c'est riba fadl. Mais le deuxième, je viens le voir, il me fait un prêt, il ne me parle pas d'augmentation, mais seulement il me dit que tu me rembourses en janvier. C'est bon, très bien. Et lorsqu'on arrive en janvier maintenant, je viens lui dire, ah vraiment tonton, vraiment je n'ai pas pu vraiment solder parce que il est d'accord, comme tu ne peux pas me rembourser en janvier, que tu comptes me rembourser en mars, donc j'augmente 5% sur les 100 millions. Pourtant on a un indice où le prophète d'Allah sur le salam, en parlant, il dit, il n'y a de riba que dans cette forme de riba. Donc, les savants disent que, attention, si vous voulez prendre un seul indice, on dit que c'est ça seulement riba, tout ce qui est augmentation. Parce qu'il a dit un indice, tout ce qui est augmentation est riba. Mais dans un autre indice, il a dit que deuxième forme de riba, là, c'est ça qui est riba. Donc, si vous voulez, alors, nous, on va dire que, d'accord, donc, une autre forme de riba. Et même, il y avait une divergence entre les savants. Il y a des savants qui n'acceptaient pas la première forme de riba. Vous voyez? Parce qu'ils ont pris comme référence le deuxième hadith. Vous voyez, l'affaire est profonde. C'est très profond. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les grandes universités islamiques, on te fait faire non seulement la jurisprudence contemporaine, mais on te fait faire la jurisprudence comparée. Parce que si tu n'as pas fait la jurisprudence comparée, tu ne sais pas. Dans tout ce qu'on est en train de dire, l'imam Malik, souvent, il n'a pas la même position que Abu Hanifa. Donc, si toi, tu as étudié seulement que l'école de Abu Hanifa, donc tu vas dire et tu vas blâmer ceux qui suivent l'autre école. Autant souvent, tu vas trouver que l'imam que toi tu suis, il n'a pas la majorité entre les savants. Il est considéré comme la minorité dans cette jurisprudence. Donc, c'est très très compliqué. Voilà pourquoi la jurisprudence aujourd'hui, il faut faire très très attention, il faut être attentif et il faut considérer la position des autres. Simplement, tu vas peut-être leur demander une justification d'où vient ta position. Quelle est la source? C'est tout ce qu'on nous demande. Donc vous voyez que l'affaire est déjà même compliquée sur ce qui même est riba. Il y a une divergence même sur la nature même de riba. Donc vous voyez que c'est compliqué. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on revient maintenant avec les banques, il y a des savants qui disent que ce qui est sûr, tout ce que la banque fait comme transaction,
tous les contrats que tu fais avec la banque, étant donné que c'est une institution qui travaille avec RIBA, tu es aussi dans RIBA. En un mot, il ne faut même pas collaborer avec les banques. Tout simplement. Tu ne dois rien faire avec les banques. Si on leur demande pourquoi, ils disent non. Travailler avec les banques, c'est comme si tu es en train de les aider à prospérer dans ce qu'ils font. Pourtant, ce qu'ils font, c'est basé sur la riba. Par les gauchers, tu es en train d'aider la riba. Ça, c'est la position de certains savants. On est d'accord. C'est leur avis. Ils ont leur argument. Deuxième, il y a des savants qui disent que le problème là, c'est la dénomination. Le mot même, quand je vais prendre quelque chose à la banque, en islam, est-ce qu'on doit appeler ça carte? Je vais dire vraiment prêt, mais au sens de m'endetter. Est-ce que quand je vais prendre quelque chose à la banque, c'est ça? Ou bien, on va appeler ça à Tamouil. Tamouil, c'est quoi? C'est l'exemple que j'ai donné. Moi, j'ai un projet, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la liquidité pour pouvoir faire vivre ce projet, ou bien mettre ce projet au grand jour. Mais lui, il a les moyens. Je viens le voir, il met les moyens à ma disposition. Et c'est vrai qu'ils disent que le grand problème, pourquoi on se discute là, pourquoi on ne se comprend pas, le réel problème même est que le nom que nous attribuons à comment on va dire, à cet exercice entre moi et la banque, c'est ça qui est le problème. Parce qu'eux, ils ne reconnaissent pas que c'est un prêt, au sens de quelqu'un qui est pauvre, qui vient demander de l'aide. Parce que quand l'islam parle de corps, dans tous les domaines, c'est aider quelqu'un qui est en difficulté. Mais eux, ils disent que non, la relation qui est entre nous et la banque, c'est une relation simplement dans le sens de pouvoir mettre un projet au grand jour. Voilà pourquoi les savants de l'Égypte d'alors, quand on va avant 100 ans, dans la jurisprudence, les savants avaient décrété que travailler avec une banque, c'est riba. Jusqu'à ce que, arrivé à certains moments, cher Tondormi, à la Lagré, il a essayé de travailler avec des responsables de la banque. Parce qu'en islam, on va te dire, oui, la jurisprudence, elle est là, les règles restent toujours intactes. Riba est haram. Aucun savant au monde ne va te dire que riba est halal. Ça, on ne discute même pas sur ça. Le problème n'est pas là-bas, en fait. Il y a des gens qui pensent que c'est là-bas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas que, parce que quand certains paysans disent non, on a des savants aujourd'hui qui ont rendu illicite le riba. Non. Et toi, tu penses que c'est le riba. Lui ne voit pas ça comme riba, en fait. Pour lui, c'est un investissement. Pourtant, en islam, un investissement, je peux demander quelque chose sur l'investissement. Ça, c'est clair. Aucun savant aussi ne te dira que ça, c'est interdit. Si ça, c'était interdit, nos chauffeurs, nos bacs, etc., ils n'allaient même pas exister. Aucun projet n'allait exister. Et même ça, c'est une forme de contrat. Souvent, on le fait sans le savoir. Quand moi, je donne l'argent à quelqu'un, tu vas aller faire ceci et tu m'envoies ça. Tout ça, ce sont des formes de contrat. Et ça existe à l'islam. Donc, le réel problème, c'est ce que je viens de dire là. Toi, tu vois comme c'est carte qui me dit prêter l'argent à quelqu'un qui est en difficulté et qui veut vraiment régler son problème dans l'immédiat. Mais l'autre dit non, quand je vais voir la banque, c'est un investissement que je demande. Et ceux qui disent ça, ils disent oui. Parce que quand tu vas chez le banquier, tu ne dis pas ah, bonjour monsieur, s'il te plaît, comme vraiment mon sac de riz est fini, j'ai besoin de 200 000, donc si tu pouvais me donner 200 000, puis la banque va prendre pour te donner. Il dit non, c'est pas comme ça, c'est fait. Vous allez dans la banque,
Tu vas d'abord demander et tu vas d'abord rédiger pourquoi tu veux et à quel fin et comment tu vas pouvoir faire pour pouvoir rembourser. Voilà pourquoi souvent on entend les gens dire que ah, on s'endette beaucoup. Mon frère, c'est pas tout le monde qui mérite les dettes. Hein. Les dettes là, chez les banquiers, ça se mérite. Ouais. Sinon, si tu n'as pas les capacités, mon Dieu, c'est pas parce que tu es beau qu'ils vont te donner jamais. Je pense qu'on va appeler les banquiers en Tunisie, ils peuvent nous dire plus. Donc voilà le problème en fait. Mais à toi, tu t'es inscrit dans la logique de qui? Maintenant, ceux qui disent que le contrat avec une banque de prêt, c'est un contrat de prêt, mais qui est en réalité un contrat d'investissement. Ce sont ces savants qui disent aujourd'hui qu'on peut collaborer avec une banque. Ils ne le disent pas fermement. Ils disent parce que ils ont travaillé avec les responsables de la banque, ils ont cherché à comprendre le fonctionnement de la banque, parce qu'en fait c'est un nouveau contrat. Je viens de vous dire dans l'introduction, l'islam c'était depuis le 6e siècle, et ça c'est venu le 12e siècle. Donc il y a au moins 6 siècles entre les deux. Il y a eu des choses, même au temps du prophète, il y a eu divergence. Au temps des disciples, il y a eu divergence. Au tas de tabin et tabin, tabin, il y a une divergence. Voilà pourquoi même on a plus de. On connaît 4 écoles. Sinon, on a plus de 7, 8, 9 écoles. Je le dis, qui sont reconnus. Qui sont reconnus. Et même au sein d'une même école, il y a divergence. Donc, c'est celui qui n'a pas fait cette spécialité que lui pense que divergence, là, c'est source de palabres. Ou bien c'est parce que l'autre là ne veut pas l'islam, l'autre là ne veut pas la sunna, il veut bafouer la sunna, voilà pourquoi il a pris cette position. Et toujours on se donne raison, et quand on est de ce côté, on se donne raison. Qu'Allah nous donne la bonne. Ceux qui voient toujours sur le premier hadith qui dit que toute opération de prêt qui engendre des bénéfices ou bien des intérêts est riba. Eux ils disent ce qui est sûr quand il va à la banque. Si la banque dit en retour tu vas leur donner 5%, 5% là c'est riba. Si tu donnes, tu as les mêmes sentences que celui qui cautionne la riba. Deuxième groupe de savants qui disent que nous ne considérons pas que c'est cadre qui est un prêt dans l'intention d'aider un pauvre à se nourrir, mais nous considérons que cette opération là c'est une opération d'investissement. La banque est une institution, quand on lui fait des prêts, elle prend. Ou bien quand on lui fait des dépôts, elle prend ces fortunes-là et elle investit. C'est ce qui lui permet de payer son personnel, de payer son local, de payer ses charges administratives, de payer toutes ces choses-là. Et en retour, pour pouvoir redonner le capital de celui qui a fait son dépôt. Et voilà pourquoi la banque, quand tu déposes, il t'ajoute quelque chose. C'est pas parce qu'il est gentil. C'est parce que toi, tu viens me donner 100 millions, quand moi je veux te rembourser, je te rembourse avec 107 millions. C'est parce que la banque est tellement gentille qu'elle te fait le social. Non. Ils disent parce que la banque, là, quand tu déposes 100 millions, tu vas lui dire quand tu as besoin de ces 100 millions. Quand lui évalue ça, il fait les études, il sait qu'avec les études, le délai qui m'est donné pour travailler avec cette somme, je peux peut-être engendrer un pourcentage peut-être de 15%. Donc ces 15% à lui qui a déposé, je peux lui donner 5%. Comme ça, moi je fonctionne avec 10% et lui, il aura, en plus de son capital, il aura 5%. Exactement ça. Vous comprenez? Donc voilà maintenant où nous sommes.
Pourquoi ça sonne de là, il est alors, ouais. Ensuite, on va monter un peu seulement. Ceux qui disent ça, il y a des savants qui disent oui, on est d'accord. Ce que vous avez dit là, c'est vrai. Quand la banque est donne, c'est un investissement. La preuve en est que je justifie. Dans un premier temps, ceux-mêmes qui sont d'avis de ce que je viens de dire, ils disent l'exception dans cette règle générale qui est, on dit que l'intérêt, on a déjà su, eux ils disent que l'intérêt que la banque me demande, ou bien que la banque prend, il n'y a pas de problème. Mais ils disent que l'intérêt, ou dans le cas où la banque prend, ou eux-mêmes les savants ne sont pas d'accord, vu les textes de la religion musulmane, c'est lorsque je ne prends pas, je ne fais pas ces prêts-là pour aller faire un investissement. Je prends ces prêts-là pour aller dépenser, parce que je suis en difficulté. Ils disent que pour que les intérêts que la banque m'exige soit licite à la banque, ou bien m'acquitter de ces intérêts-là, soit licite, il va falloir que l'exercice, la cause même pour laquelle j'ai contracté ce contrat de prêt, faut que ça génère quand même des bénéfices. Si je ne vais pas avoir un exercice économique avec qui va me donner des intérêts, ils disent que non, c'est pas logique que je donne quelque chose à la banque. Si c'est pour aller manger, pas logique. Donc pour eux, ça passe pas. C'est à partir de ce instant, et ils vont dire que non, oui, là on est sur la première fois, donc on est dans le temps. Mais tant que je prends pour aller investir, la banque a le droit de me prélever. Donc il y a des savants qui vont dire que oui, on est d'accord. Ce que vous avez dit là, on est entièrement d'accord. Admettons que je viens voir mon oncle en tant qu'une institution. Je vais les prêts pour quelque chose, mais pour investir. Il a étudié ce que j'ai comme projet. Après les études, lui s'est rendu compte que ça peut m'a donné peut-être 25% de bénéfices. Il a ça, parce que les choses sont claires. Quand on est dans les affaires, le contrat est là. Lui-même, il voit le contrat que j'ai. Ma marge bénéficiaire, c'est 25%. Il me demande 5% parce qu'il va me donner de l'argent et il va garantir l'activité que je vais faire. Sinon, ceux qui m'ont donné ce contrat-là ne vont pas accepter de me donner le contrat en tant que Osas Maro. Mais quand j'envoie un papier de mon oncle en tant qu'une institution sérieuse, ils vont me donner le contrat. Soit ils vont me donner le contrat, ou soit lui-même, quand il va voir l'entreprise qui me donne le contrat, quand lui, il va mener ses enquêtes, bien vrai que les chiffres sont là, ça peut me donner 25%, mais lui, il va mener ses enquêtes auprès de cette entreprise. Est-ce que cette entreprise qui l'embauche est dans la capacité de lui donner ça après le travail? Si lui voit que l'entreprise n'est pas sérieuse, certes, il ne va pas me donner. Mais c'est quand lui finit de faire toutes ces études-là, il voit que l'entreprise est sérieuse, lui peut avoir, sans ce moment, il me donne. Et là, il sait que j'aurai 25%, lui va réclamer 5% de ses 25%, donc moi, j'aurai maintenant 20% en réalité, il me donne l'argent, je vais travailler. Il y a des savants qui viennent maintenant pour dire que oui, ce que vous avez dit là, c'est vrai. Mais nous, on n'est pas toujours d'accord. Mais ce n'est pas le bas.
Voilà. C'est ça la question. Nous, on n'est pas d'accord, ça dit, on est d'accord que ce n'est pas arrivant, mais on n'est pas d'accord avec cette forme de contrat avec une banque. On dit, mais pourquoi? Ils disent, ok, la raison est simple. En islam, quand il y a eu l'affaire en soi, au plus mon oncle, et que il y a dans le projet, on doit se partager les bénéfices. La condition, l'une des conditions majeures est que on doit aussi se partager la responsabilité en cas de faillite. Alors, si on traite bien ici, je reprends. Je viens le voir. Vous n'avez 100 millions. Après étude, on est d'accord que j'aurai 25% de bénéfices. D'où il s'engage à mettre les 100 millions à ma disposition en condition que non seulement je vais lui rembourser le capital, n'oubliez pas, hein, le premier qu'on a dit au départ, hein, non seulement je vais lui donner, mais en plus de cela, je dois lui reverser 25% et 5% plutôt, donc 5 millions. Ils disent que pour que cela soit licite à l'islam, que lui il ait le droit de prendre ces 5 millions, il va falloir que nous partagions la responsabilité en cas de perte. J'ai pris, j'ai respecté les règles de l'activité, j'ai tout fait, mais malgré moi-même, on a vérifié, la faute n'est pas à moi, mais peut-être il est arrivé quelque chose de, comment on va dire, naturel et inattendu, donc j'ai fait faillite, d'où bien l'argent ajouté, en tout cas, on s'est trouvé dans une situation économique catastrophique qui a impacté sur ce que j'avais. Peut-être au départ, on avait fait les estimations avec la crise économique, ces estimations, les données ont changé au point où ça a affecté le capital qu'il m'a donné. L'islam dit, pour qu'il puisse mériter de ces 5%, il va falloir qu'il s'engage dès le départ. On dit que si on a eu un tel problème, il s'engage aussi à assumer la perte. Donc ils disent que comme la banque ne fait pas ça, voilà pourquoi nous on dit c'est vrai, c'est pas riba. Parce que près d'investissement, on ne parle plus de riba. On parle ici des affaires. D'où c'est illicite. Tout ce qui est illicite n'est pas forcément riba. Mais ici, on va dire que l'enrichissement sans, je crois, sans cause, quelque chose comme ça, ça y est, on ne va pas poser ça. Voilà. Donc voilà, on va dire la position médiane. On est d'accord? La qualification que vous attribuez, nous sommes d'accord? Et voilà que les réserves que nous on pose, voici ça. Et ça aussi, c'est islamique. Ceux qui tiennent encore là-bas, ils disent que ce que vous avez dit là, vous avez raison. Vous avez bien raison. Mais, je dis encore, mais, en islam, et aussi, lorsque on s'accorde sur quelque chose, moi qui ai le projet, je suis sûr de mon projet. Moi-même, j'ai pris la responsabilité de garantir mon projet. Et que toi, à ton niveau, tu as pris la responsabilité de garantir pour toi. Dans ce cas-là, l'islam aussi permet que, en cas de perte,
je n'assume pas toi ta responsabilité parce que c'est toi que tu venais prendre les 100 millions là. Tu m'as dit que tu es capable d'assumer la responsabilité. Je t'ai dit ça là, il y a des risques dedans. Tu dis non, ces risques là, j'assume. D'accord? Oui. Ok, tu as signé. Premier papier, deuxième, troisième, plusieurs, sept papiers tu as signé. Donc, si on est dans ce cas-là, si le problème arrive, c'est moi seul, je crois, de pour casser. Takbir. Allah. Voilà ce qu'ils vont nous dire. Vous voyez, on vient de très loin. Lorsqu'on veut remonter, voilà pourquoi je vais demander à mon frère de bien sous-regarder cette vidéo. Et Facebook. Parce que, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire d'autres encore sur ça. On va prendre ça comme une référence pour décortiquer d'autres thèmes encore. Donc, on nous dit que les choses aussi ne sont pas souvent faciles quand on n'est pas dans le domaine. Voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, souvent, quand on écoute les débats, souvent ça nous oblige à être sur les réseaux sociaux. Ah mais les réseaux sociaux sont plus sur les réseaux sociaux. Je m'en rappelle dernièrement, j'ai vu ça dans ce vidéo là, il était juste sur TikTok comme ça. Oui, parce qu'ils sont là-bas. Les gens qui se font connaître de tout, qui blâment des savants, sans savoir même quel est l'argument que le savant a utilisé. Je vous assure, même dans l'ablution, la divergence. Les actes obligatoires de l'ablution, les savants ne sont pas unanimes sur le nombre. Ça va? Effectivement. Les savants ne sont pas unanimes sur le nombre. Donc, c'est pas. C'est un contrat qui vient de commencer qui va être unanime. Donc, pour conclure, chers frères, chers soeurs, nous devons comprendre quelque chose. C'est mieux de voir maintenant les réalités. Je vous ai donné plusieurs formes. Moi, maintenant, je m'inscris dans quelle forme? Parce que quand on a fini de faire tout ça, ils nous ont donné encore une autre porte où tous les deux camps sont unanimes. Cette porte, c'est quoi? Je suis dans un pays où il y a un système bancaire islamique qui couvre le pays. Parce qu'on peut avoir un système, une banque qui fonctionne avec le système bancaire islamique, mais qui n'a pas une capacité de couverture. Donc on a une banque, il y a un système bancaire islamique et qui couvre les besoins. Et dans ce même pays, on a une autre banque qui a un système laïque. Tant que j'aurai le choix entre les deux systèmes, je dois aller toujours vers le premier système qui est le système bancaire. Ça, c'est une porte de sortie. Quand on arrive à une dimension. Parce que là, au moins, on est sûr de ne pas tomber dans le péché, mais dans l'erreur. Ou bien le doute qui était là, on est sûr d'évacuer ce doute-là parce qu'on a une banque qui fonctionne selon les règles de la religion de Dieu. Donc voici la première porte de sortie. La deuxième porte de sortie, il faut aussi comprendre que avec les banques, il faut savoir que les gens n'ont pas les mêmes conditions. Voilà, si moi je sais que je peux monter mon projet sans être dans une telle situation où peut-être j'ai encore des doutes, bien vrai qu'il y a des savants qui disent que c'est possible, mais autour de moi j'ai tellement de versions, je ne me réprouve pas, je ne veux pas tomber dans une situation où peut-être je n'aurai pas raison. Si je peux développer mes activités en dehors de ces banques-là, mais il y a les activités, la nature même des activités m'oblige à travailler avec les banques. Lui, il en sait. Surtout, tous les entrepreneurs, ils savent. Il y a un papier qu'on appelle caution bancaire. Mon frère, tu as déposé ta demande
d'obtention d'un marché. Aucune banque ne t'a fourni ce document-là. Il faut savoir que tu as échoué. Ou bien, on va te demander une condition très difficile. On va te demander de préfinancer. Quand ils vont le préfinancer, l'argent là, tu vas le louer. Parce que je peux avoir un contrat dessus de 1 milliard. Ou on doit peut-être me donner 30% comme avance le démarrage. Les 30%, pour que, si c'est l'État, pour que l'État me donne, ou bien pour que le maître d'ouvrage délégué me donne ces 30% là en espèces pour que je puisse travailler, démarrer, comme le nom le dit, avant ce démarrage, ils vont exiger que j'ai la garantie d'une banque qui va s'engager pour dire que si ils ne respectent pas le contrat, saisissez-moi, je vais rembourser. C'est ça ma belle caution bancaire. Saisissez-moi, ne le regardez même pas. C'est moi, j'ai fait. Lui, il est ma banque. Quand il y a problème là, on ne me regarde même pas. On ne connaît même pas au SAS. On va saisir directement l'institution qui est représentée ici par Foussini. On le prend directement. Et c'est lui qui va rembourser ce qu'on m'avait déjà donné. Et là encore, je vais vous parler de quelque chose. Dans nos grands, on parle beaucoup, mais on sait peu. Aujourd'hui, dans nos grands, on dit quoi? L'État même, c'est pas normal. On donne des marchés à des, comment dirais-je, des grandes entreprises étrangères. On ne donne même pas à nos petites entreprises. Hein? Si on ne fait pas ça, comment ils vont s'en sortir? Mon frère. Mon cher. Oui, Nati, sinon l'État allait faciliter ça. On est l'autre banque de donner caution bancaire, même si tu as une petite entreprise. Tu sais ce qui s'est passé. Les entreprises, quand ils ont eu l'argent, ils sont partis derrière. Ils ont disparu. La banque rembourse. C'est pas vrai que son banquier aujourd'hui on donne pas, on donne encore du vent, on donne. Mais ils vont te demander l'immobilier à une valeur peut-être qui vaut trois fois ce que tu demandes. Là, si tu veux, là, il faut fuir. Ce qu'ils ont déjà comme garantie, là, ça suffit. C'est clair. Parce qu'ils ont eu des pertes. C'est pour ça que je dis, quand tu n'es pas dans le domaine, dans ton gré là, tu vas insulter seulement. Mais la réalité, c'est toute une autre chose. Mais vous avez un Moussas qui a eu la chance de travailler dans ce domaine et qui sait de quoi il est en train de parler. J'étais au centre des dossiers. Parce que j'étais là-bas en tant que traducteur. Je ne peux pas cacher le traducteur. Si tu as caché là, mon frère, comme on disait un joueur, ni ce qui te voit pour avoir la chambre. C'est clair. Donc ça m'a donné une autre visibilité. Donc j'ai une autre manière de critiquer les choses parce que j'étais au centre des réalités. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont pris cet engagement avec des banques qui n'ont pas respecté et la banque a payé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les banques exigent. Toi, tu n'as pas encore une puissance, tu vas aller savoir. Donc, c'est que l'État, je ne fais pas la politique, hein, l'État fait maintenant, on donne aux grandes puissances, aux grandes entreprises, même si c'est étranger, et on leur demande en bas de vous donner comme sous-traitant. Là, au moins, eux, ils couvrent. Voilà, eux, ils peuvent donner ces garanties-là. Et les banques peuvent leur donner ces garanties-là. Mais là, comme ces garanties-là sont émorcelées, oui, peut-être toi, ta capacité, tu peux donner peut-être 10 millions, tu as cette capacité. Donc, il va te donner quelque chose et il va te dire de fournir le matériel. Quand tu fournis le matériel à hauteur peut-être de 10 millions, il peut te donner peut-être 50% de ces matériels, c'est-à-dire de comment dirais-je, de cette activité que tu devrais faire, ça te permet de booster et pouvoir payer tes employés et le travail avance. Donc, c'est cet accord qui est à l'intérieur aujourd'hui. C'était une digression, une petite digression dont on va pas être très long, on n'est pas que ça. Donc, on va faire un travail plus facile et sujet qui est un peu simple. Mais comme je le dis, quand on ne maîtrise pas, on a beaucoup peur. Donc, quand on monte, on descend,
on a deux avis. Et on a un avis intermédiaire que je vous ai dit, qui sont d'accord de la dénomination qu'on donne à ce contrat, mais seulement ils ne sont pas d'accord parce que pour il y a une condition qui n'est pas réunie, qui est le fait de partager les pertes en cas de perte. Voici un peu, cher frère, cher M6, voici un peu le sujet qui est là. Donc on va conclure, on va dire que oui, la preuve bancaire, il y a les savants qui sont fermes. Ils disent que c'est interdit. Tout simplement, ça dépend de la qualification qu'ils ont donnée, la nature du contrat. Mais il y a d'autres savants qui disent que c'est licite parce que la qualification qu'ils ont donnée, même le premier groupe qui dit qu'ils ne sont pas d'accord, c'est parce que si vous leur donnez les mêmes qualifications que les deuxièmes qui sont d'accord donnent, ils vont accepter. Mais seulement eux, ils disent que la qualification ici, c'est ça qui est le problème au fait. Donc souvent, le problème peut se poser à ce niveau au fait. Voilà, eux ils disent non, non, quand quelqu'un va voir la banque, il est pauvre, donc il faut rester dans ça, la liste là, il faut appliquer la liste à tout prix. Donc voilà un peu ce que nous pourrions dire pour ce thème-là, quand on nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique. Je crois qu'on aura quand même des quelques questions et on sera dans le temps de charge. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.